またおはようって言って、また夢を見せて、今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが、本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢、知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド。君と肩を組んで、君と手を繋いで、恋人だったり友達でいたいから、おはようって言って、また夢を見せて、自然なその生き方でいいからさ。Quel monde! Si tous ces gens sont venus ici, c'est parce qu'ils ont le même objectif que nous. Eh ben, ce concours de Hunter attire plus de monde que je n'aurais pensé. Bon, c'est pas tout ça, il faut encore qu'on trouve la route qui va à Zaban. Merci beaucoup, capitaine. Cette traversée aura été une vraie aventure. À qui le dis-tu, fiston? J'ai rarement eu l'occasion de m'amuser autant pendant un voyage en mer. En tout cas, je voulais te souhaiter bonne route, fiston. Parce que vous n'êtes pas au bout de vos peines, toi et tes amis. Oui, je sais, capitaine. Bon, quand vous aurez fini de papoter, on pourra peut-être se mettre en route et quitter cette fichue ville. Avant que vous ne partiez, j'ai une dernière chose à vous dire. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Quel genre de conseil? Regardez. Vous voyez ce cyprès au sommet de la colline? Si vous allez dans cette direction, vous arriverez plus vite sur les lieux de l'examen. C'est un raccourci, faites-moi confiance. Et surtout, n'oubliez pas, l'examen a déjà commencé. Bon retour, capitaine. Merci, et bonne chance à vous. Au revoir, à bientôt. T'inquiète pas, mon cher Jing. Le fils du faucon est lui aussi un faucon. Tiens, comme c'est étrange. On doit passer l'examen à Zaban, et d'après la carte, c'est dans la direction opposée au cyprès. Oui, c'est vrai. À mon avis, le soi-disant raccourci du capitaine est un attrape-nigo. On ferait mieux de prendre la direction indiquée par la carte. Si vous voulez vous rendre à Zaban, vous pouvez prendre le bus, vous savez. C'est plus rapide que d'y aller à pied. Mais t'es qui, toi, d'abord? Je m'appelle Mash. Moi aussi, je suis candidat à l'examen de Hunter. Enchanté de vous connaître. Moi, c'est Gon. Le prend pas mal. Il est un peu bizarre, mais on s'y habitue vite. Moi, je m'appelle Leorio. Merci pour le tuyau, comme ça on va voyager ensemble. Non, j'y vais à pied, le bus c'est pour les petits joueurs. Il paraît qu'il y a un chemin qui passe par la colline aussi près. Oui, c'est ce qu'on nous a dit, à nous aussi. Eh bien, dans ce cas, je peux peut-être me joindre à vous. Personnellement, je n'aime pas trop voyager seul, je préfère avoir de la compagnie. Alors si ça ne vous dérange pas... Bien sûr. Mais Gon! J'ai décidé de suivre le conseil du capitaine. Ça m'étonnerait qu'il nous ait menti. Tu es beaucoup trop naïf, tu sais. Tu devrais pas faire confiance à n'importe qui. Enfin, fais comme tu veux. On se retrouve à Zaban. Oh, hé, cours à Picard! Tu peux aller attendre ton bus, Leorio. Moi, je prends le chemin de la colline avec Gon. Je veux connaître un peu mieux la façon dont il agit. Ouais, c'est ça. Laisse-moi tomber comme une vieille chaussette. À plus tard! J'espère que vous ne vous perdrez pas en chemin. À plus tard, Leorio. Fais attention à toi. Arrêtez de pousser, on n'est pas des bœufs quand même. Non, c'est pas vrai. Hé, hey, attendez-moi.
Qu'est-ce qui pèse le plus lourd, une tonne de plumes ou une tonne de plomb? Une tonne de plomb. Perdu, les deux font le même poids, une tonne. De l'aîné ou du cadet, lequel est le plus âgé? On ne peut pas le savoir parce qu'ils sont peut-être jumeaux. Gagné! Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut, ces morveux? Laisse tomber, il faut qu'on continue à avancer. Ouais! En avant! Il y a beaucoup trop d'idiots parmi les candidats à l'examen de Hunter et ces trois-là ne pensent qu'à l'argent. Depuis le temps, on pourrait quand même nous envoyer des candidats un peu respectables. Vous pouvez pas faire attention, espèce de crétin ! Pardon, excusez-moi, monsieur, vous savez s'il reste encore beaucoup de route jusqu'à Zabal ? Au cas où vous le sauriez pas, il est interdit de parler au conducteur. Ça peut être dangereux. Eh, mais on est déjà passé par ici ? Hein ? Je le crois pas. On dirait que ce bus tourne en rond depuis le début. Quoi ? Mais c'est pas possible ! Eh, dites, vous nous emmenez où, là ? Vous allez à Zabane, oui ou non ? Bien sûr que je vais à Zabane. Mais on n'est pas pressé. On peut quand même faire un petit tour avant d'y aller. Comment ça, faire un petit tour ? Vous entendez ? On s'est tous fait piéger! Bon, ça suffit maintenant! Arrêtez-moi ce bus! Voilà, on est arrêté, monsieur. Merci beaucoup, vous êtes bien urbain. Eh, mais qu'est-ce qu'il fait? Redémarrez, vite! Redémarrez, bon sang! Alors vous, on peut pas dire que vous sachiez ce que vous voulez. Merci d'avoir voyagé avec nous. Revenez quand vous voulez. Reviens ici, espèce de chauffard! Sale ta manque! C'est incroyable! Tout ça pour rien! Alors, comment tu te sens? Ça va mieux ton pied? Ah, je sais pas. J'ai dû me faire une entorse ou quelque chose comme ça tout à l'heure sur le sentier. T'es sympa de me porter. T'inquiète pas, y a pas de problème. Eh, hey, mais attends un peu. Oh, je crois que j'ai une idée. Eh, hey, tu vas pas me laisser tout seul ici, dis. On peut sûrement trouver des plantes médicinales dans cette forêt. Attendez-moi, je vais voir. Gon, reviens. C'est pas le moment de s'arrêter. Tu sais, si tu es vraiment si pressé, tu n'as qu'à partir devant. Allez, à plus tard. Ah, c'est bien ma veine, on était presque arrivés. Hé ! Où est-ce que vous êtes partis ? Hé, hey, Gon, me laisse pas tout seul ! Allez, viens, je t'attends. Tu vas regretter d'avoir croisé ma route, c'est moi qui te le dis. Allez, range ça, tu vas te faire mal, hein? Je suis sûr que tu ne sais même pas t'en servir. Oh. Où tu vas, Gon? Attention! Ce rhinocéros a l'air furieux. On n'a pas le choix. Ne fais pas ça, Kurapika. Il est un peu nerveux parce qu'on est sur son territoire, c'est tout. Calme-toi, on ne va pas te faire de mal. Tout ce qu'on veut, c'est que tu nous laisses tranquillement traverser ton territoire. Tu veux bien? Fais gaffe, Gon! Oh! Oups! Touchez le rhino! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est bizarre. Alors le bus, c'était un piège? Eh oui, mais faut pas le prendre pour un idiot, le Léorio. Du coup, tu t'es replié sur la seule solution qui te restait, la nôtre. Oui, enfin, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En fait, je me suis dit que c'était dangereux de vous laisser seul dans cette jungle hostile. D'ailleurs, je suis arrivé juste à temps. Pas la peine de me remercier.
Il va rester planté là longtemps, cet animal de malheur ! Au revoir, mon ami ! Bon, après cette scène d'adieu pathétique, on pourrait peut-être avancer. Avec le temps que ça nous a fait perdre, on s'est sûrement fait dépasser. Si vous m'aviez écouté, on serait peut-être déjà arrivé au sommet de la colline aussi près, je vous signale. On a quand même bien fait de s'arrêter. Hein ? Sinon, on n'aurait pas retrouvé les Orios. Et puis maintenant, t'as plus l'air d'avoir trop mal aux pieds. Tu vas pouvoir recommencer à marcher. Ma parole, c'est vraiment sinistre ici. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas âme qui vive. Tu crois ? Et pourtant, nous ne sommes pas seuls. Restez sur vos gardes. Quoi ? Comment est-ce que tu peux le savoir ? Ne me dis pas que tu n'entends pas le bruit des respirations. Oui, et le bruit des vêtements aussi. Mais pourquoi se cache-t-il ? Hein ? Hein ? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'entende ? Je suis quelqu'un de normal, moi. Gone ! Venez voir, voilà une grand-mère. Oh, les gars. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est qui cela? Pile ou face, ils ne savent rien dire d'autre, ma parole. Hé, hey, Mash, t'es bien sûr qu'on a pris la bonne route, dis? Oui, j'en suis certain. Mais si tu n'as pas confiance en moi, tu peux toujours faire demi-tour. Mouais, tu ne crois pas si bien dire. C'est exactement ce que je vais faire, parce que je commence à en avoir marre des pièges. J'ai déjà eu ma dose avec ce maudit bus. Attends, les Orios, où est-ce que tu vas aller? Il n'y a pas d'autre chemin. Tu crois ça? Il a raison. Si on veut atteindre la colline aussi près, on n'a pas d'autre choix que de traverser cette ville. En plus, les autres routes sont sûrement infestées de bêtes démoniaques. Alors, puisqu'on est arrivé jusqu'ici, autant continuer. Et elle, alors, elle a pas l'air démoniaque? Ça sent le piège à plein nez, j'en suis sûr. Calmez-vous. Vous vouliez aller jusqu'à la colline aussi près? Eh bien, dans ce cas, vous ne pouvez pas faire autrement que de traverser notre ville. Il serait vain de vouloir emprunter un autre chemin. Tout ce que vous réussirez à faire, c'est vous perdre au beau milieu de la forêt. Les autres routes forment un vrai labyrinthe. Oh, regardez! C'est le même signe que celui du capitaine. Hein? Je comprends, cette vieille femme. Elle est là pour nous faire passer une nouvelle épreuve. Hein? Cette grand-mère fait aussi partie des examinateurs? Pile ou face. Quoi? Quelles deux options? Écoutez-moi bien, je ne vais vous poser qu'une seule question. Vous aurez 5 secondes pour trouver la réponse. Si jamais vous vous trompez, c'est fini pour vous. Aucun de vous ne pourra devenir un hunter. Ça ne fait plus aucun doute. Nous avons bien atteint la ville des deux options cette fois. Vous aurez 2 options et vous devrez en choisir une. Toute réponse évasive sera bien entendu considérée comme étant erronée. Hé, hey, attendez un peu là. On a droit qu'à 1 seule question pour nous 4? Oui, c'est plus expéditif comme ça. Mais s'il se trompe de réponse, moi j'ai pas envie d'être éliminé à cause de lui. Il y a très peu de risques. Si tu veux mon avis, tu as beaucoup plus de chances que moi de donner la mauvaise réponse. C'est pas grave de toute façon. Il suffit juste que l'un de nous 4 trouve la bonne réponse et ça ira. Ça m'arrange parce que je ne suis pas très douée. Je ne suis pas d'accord. Hein? Je préfère essayer de répondre tout seul. Je suis sûre de gagner. Eh bien, tu m'as l'air bien sûr de toi, jeune homme. Mais peu importe. Bon, alors je suis prêt. Je ne vais pas laisser mes chances de devenir un hunter s'envoler à cause d'eux. Mais, Mash... Je suis désolé, les gars. Je crois que ce n'est plus la peine de vous cacher la vérité maintenant. En fait, je n'ai jamais voulu faire la route avec vous. Je voulais juste être sûr d'atteindre cette ville sain et sauf. Vous comprenez? En général, je suis plutôt doué pour les jeux de réflexion. Ce qui fait que maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Espèce de sale hypocrite! Laisse tomber, les Orios. On n'a qu'à écouter la question qu'elle va lui poser. Ça nous donnera déjà une idée. Oui, tu as peut-être raison.
Allez, grand-mère, dépêche, j'ai pas que ça à faire. Eh bien, voilà la question. Ta mère et ta fiancée ont été capturées et malheureusement, tu ne peux sauver que l'une d'elles. Attention, réfléchis bien. Est-ce que tu sauves ta mère ou bien préfères-tu ta fiancée? Elle est sérieuse? Il ne peut pas y avoir de bonne réponse à cette question. C'est une blague ou quoi? Si elle croit me piéger avec une question si simple, c'est qu'elle a plus toute sa tête, la vieille. Tu as 5 secondes pour donner ta réponse. 5, 4... Je sais. Je t'écoute, qui sauves-tu? C'est facile, je choisis de sauver ma mère, parce que je n'en ai qu'une. Alors qu'une fiancée, je pourrais toujours en trouver une autre. Tu peux passer. On se reverra peut-être plus tard, qui sait? Ça me laisse juste assez de temps pour leur préparer quelques pièges. J'en ai marre de tout ça! La plaisanterie est finie! S'il avait sauvé sa fiancée, vous lui auriez peut-être dit qu'il avait choisi la mauvaise réponse, c'est ça? C'est stupide! Il n'existe pas de réponse correcte à une question pareille! Hein? À moins qu'il faille choisir la réponse qui vous convienne! Je préfère m'en aller! Je trouverai bien un autre chemin. Comme c'est dommage. Si tu t'en vas maintenant, tu es définitivement éliminé. Comment? Tu ne pourras jamais devenir un hunter. Oh. Gon! Léorio! Quoi encore? Continuez à jouer aux devinettes si ça vous chante. Moi, je m'en vais. Réfléchis un peu. Taisez-vous! Vous me fatiguez avec vos bavardages futiles. Le garçon blond commence à comprendre de quoi il s'agit. Le prochain d'entre vous qui ose ouvrir la bouche sera disqualifié. Maintenant, répondez. 1, je me soumets à la question. 2, je refuse de jouer. Réponse 1. Je t'en prie, Léorio, réfléchis, c'est simple. Gon, je suis sûr que tu as compris, toi aussi, que ce jeu n'est qu'un piège. Vous êtes prêts? Voici la question. Votre fils et votre fille ont été enlevés. Et vous ne pouvez en sauver qu'un. Est-ce que vous préférez sauver votre fils ou votre fille? Elle commence à m'énerver, cette vieille. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est terminé. C'est toi qui es terminé! Est-ce que c'est là ta réponse, jeune homme? Non, Léorio! Maudite vieille! Je vais te faire passer l'envie de jouer à tes petits jeux absurdes, moi, tu vas voir! Alors comme ça, c'est une réponse que tu veux? Eh ben attends, je vais te la donner, moi! Ta réponse! Léorio, calme-toi! Toi, tu la fermes! Alors parce que je n'ai rien répondu, je ne pourrai jamais devenir un hunter! C'est pas grave, je vais me défouler sur toi, comme ça au moins, je serai pas venu pour rien! Tu vas regretter d'avoir vécu aussi longtemps juste pour finir comme ça! Et après toi, je ferai pareil à tous les examinateurs! Tu es en train de gâcher notre qualification, Léorio. De quoi? Tu ne comprends pas. On vient de se qualifier. Pose ce bâton. Hein? Le silence. C'était ça, la bonne réponse. C'était le silence. Comment ça, le silence? Tu l'as dit toi-même il y a un instant. Il n'existe pas de réponse correcte à la question. Et pourtant, on te donne à choisir entre deux options. Finalement, il n'y a qu'une seule façon de résoudre ce paradoxe. Il suffit juste de ne pas dire un mot pendant 5 secondes. Mais M.H., il a répondu! Elle n'a pas dit bonne réponse. Mais tu peux passer. Et peu après, Gon et moi avons entendu un cri. M.H. s'est sûrement fait attaquer par une bête sauvage. Il a voulu nous laisser tomber et ça lui aura coûté la vie. Fin de l'histoire. Le chemin par lequel il s'est engagé n'est probablement pas le bon. Oh. Bonne réponse. Le bon chemin s'ouvre devant vous. Marchez tout droit et vous serez au sommet de la colline dans 2 heures. La réponse, c'était le silence. Si tu n'arrives pas à trouver la paix, souviens-toi de la vieille femme qui se désole dans cette ville maudite. Oh. Je m'excuse, je me suis mal conduit. Ce n'est pas la peine de t'excuser, tu sais. Si je fais ce travail, c'est justement pour rencontrer des jeunes gens comme toi. Alors applique-toi et deviens un bon hunter. Oui. Vous pouvez y aller maintenant. Faites bon voyage et quand vous arriverez sous le cyprès, vous rencontrerez un couple de navigateurs. Si vous répondez à leurs attentes, ils vous serviront de guide. Rien à faire.
Je n'arrive toujours pas à trouver la réponse. Hein? Hein? Ne me dis pas que tu penses toujours à cette devinette idiote. Ben si, pourquoi? Mais le jeu est terminé, nous avons passé l'épreuve avec succès. Oui, je le sais. Ben alors? Les Orios, si un jour on se retrouvait vraiment dans cette situation et qu'on ne pouvait sauver qu'une seule personne sur les deux... Même si tu devais choisir l'une des deux options et ne sauver qu'une seule personne, il n'y aurait pas de réponse correcte. Un jour viendra où tu devras faire ce choix. Voilà le véritable objectif de ce jeu. Apprendre à résister à ces pensées cruelles qui nous assaillent, parce que la réalité peut parfois devenir impitoyable. Un jour, vos chemins se sépareront. Soyez prêts. Au secours, venez m'aider! Oh, j'ai mal! Venez donc, satané candidat. Vous verrez, je vais bien m'occuper de vous. Mais c'est quoi un navigateur? Notre courage de hunter est mis à rude épreuve. Mensonge, vérité, Jericho! Ça promet! Kitano ne, daichi ni soyogu, kaze no koe.